Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message intemporel, les conseils de ce bel oracle, le chemin de soi. De ce 22 octobre, nous sommes mardi 22 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, la petite pensée de ce 22 octobre, se prendre en main. Ne jamais laisser les autres agir à notre place ou décider de ce qui est bon pour nous. Nul ne peut vivre notre vie à notre place. À bon entendeur, salut. Allez. Et c'est vrai, nul ne peut prendre des décisions à notre place. Nous avons notre vie à parcourir et ce ne sont pas à vivre et ce ne sont pas les autres. Donc on est libre de nos choix, de nos pensées et nous sommes le capitaine de notre vaisseau. Allez, aujourd'hui j'ai pigé la carte numéro 25. Illumine ton regard avec les sens de l'amour, la pureté de l'ignorance redevient l'enfant. Conseil de cette carte au point de vue finance, arrêtez de vous priver de tout. Octroyez-vous de petits plaisirs simples. Vous n'avez pas besoin d'une grande fortune pour éclairer votre regard. Donc faites-vous plaisir aujourd'hui. Côté professionnel, le conseil est « Tout ce que vous faites avec amour portera forcément ses fruits. Ne restez pas dans l'attente d'une reconnaissance. Travaillez en restant fidèle à vos principes, ni trop, ni pas assez. Il vous faut trouver, un juste équilibre, un juste milieu. Pas trop, ni trop peu. À vous de voir. Côté sentimental, le conseil de cette carte, apprendre à recevoir l'amour de l'autre, n'est pas toujours facile. L'erreur à éviter est de penser que vous ne méritez pas cet amour. Ne vous torturez plus l'esprit et acceptez d'être aimé et aimez tout aussi simplement. C'est juste une confiance en vous que vous devez avoir. Ayez confiance en vous. Waouh, ça c'est un beau message au point de vue sentimental, enfin un conseil, point de vue sentimental. Donc voilà, apprenez à recevoir l'amour et vous à donner et arrêtez de vous mettre une carcasse. Vous mettez un masque, vous avez besoin d'amour comme tout le monde, comme chacun de nous, n'est-ce pas? Alors apprenez à recevoir. Et le conseil spirituel, à trop vous poser de questions, vous pouvez passer à côté d'une belle évolution. N'examinez pas votre parcours à la loupe. Vous n'y découvrirez rien de bien précis. Au contraire, prenez de la distance et appréciez votre chemin. Mais oui, nous ne devons pas tout savoir, n'est-ce pas? Donc, voilà, allez à votre rythme, ça c'est le principal, c'est aller à son rythme et surtout d'arrêter de vous poser plein de questions. Voilà. Allez, je termine avec Ho'oponopono.
La prière allège le cœur de l'esprit. La prière nous met en communication avec le divin. Elle nous apporte l'équilibre, la paix et l'harmonie dans notre être. Alors, je suis d'accord, mais il y a aussi la méditation. On peut aussi méditer et ça apporte la méditation, ça apporte aussi la paix, l'harmonie et l'équilibre. Il n'y a pas que dans les prières qu'on peut retrouver cela. Donc moi, je vous invite évidemment à faire des prières, mais à méditer aussi. Voilà, c'était le message de ce mardi 22. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.